Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une petite vidéo découverte de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, le jeu qui est sorti en 2015. Bien sûr, c'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans, comme d'habitude. Donc je connais pas du tout le jeu, je découvre. Donc on va voir comment ça se passe. Je viens de l'avoir. Oh! Déjà, ça a l'air bien puissant le jeu. Donc on découvre. Du coup, là on est en mode carrière, je pense. Alors, bonjour, est-ce qu'il y a du monde? Alors, hop, toi t'es mort. Ouf! Je me suis allongé par terre en KO. Ah, c'est bon. Je m'allonge en KO si ça va pas. Cadeau! D'accord, on peut tourner, j'avais vu des vidéos aussi sur YouTube, j'avais regardé un peu le jeu pour voir comment ça passait. Que t'allais mourir. Ça tu l'avais dit, de toute façon c'était le moment où jamais t'allais mourir. Alors on va rester en bas, pour l'instant on sait jamais. Putain, ils font peur les mannequins en fait. Alors j'avais vu un peu la vidéo sur il reste 5 mecs à tuer. J'avais vu un peu les vidéos, je connaissais pas du tout le jeu. Alors, j'avais fait un peu le Tom Clancy de sur le Tom Clancy, celui de l'année dernière je crois, ou l'année d'avant. Je l'ai encore, aïe. Division je crois, mais il était pas terrible. Donc j'espère que celui-là il va être mieux. Eh, pourquoi je peux pas? Ah d'accord, c'était le moment où il m'a tué. Donc je vais pas trouver terrible, j'espère que celui-là il va être mieux. On va essayer. J'espère que ça va être un bon jeu au moins, tout au moins. Alors je le connais pas encore. Je sais qu'on peut jouer en multijoueur de 2 à 10 joueurs si je me trompe pas. Attendez, je vais regarder. Donc ça charge, c'est ça, de 2 à 10 joueurs. En live ou sinon de 2 à 5 joueurs, ça dépend. Donc c'est sur Xbox One, bien sûr. Je lui tire dans la tête, mais j'ai un souci avec ma manette en fait. Je vais voir, je crois qu'on peut monter par là. J'ai vu qu'il y avait des marches. Yep, vous avez vu, c'est ouvert. Donc là, il en faut tuer encore 8. Donc on va s'occuper de tout ça. Ah, je peux pas rentrer par là-haut. J'ai fait quoi en fait? D'accord. On peut monter par le toit, ça c'est cool. Est-ce que par contre, je peux redescendre? Je regarde, on sait jamais, il n'y a pas... Ah, pour sauter, non, il n'y a pas grand-chose en fait. Rappel. Vas-y, tape, tape, tape. Oumian. Oui, con. Je pensais que c'était une grenade en fait, mais non. Comment on fait pour blesser? Je sais pas c'est quoi. Hein. Ah d'accord, ça c'est un drone. C'est bien ça, déjà on a un drone. On va essayer de faire exploser ça? Non. Je regarde, hein, vous inquiétez pas les amis, j'essaie de fouiller. Ça fait la forme des yeux. Bonjour! Normalement, il n'y a personne. Donc, on va redescendre de tous les cas. Hop! Ah, bah, mon lit, il n'y a qu'une entrée, il faut bien rentrer par là. Il en reste 8, donc il faut que je fasse gaffe un peu pour mourir. Je crois qu'il y en avait un à droite. Non, il n'y avait pas à droite, c'était à gauche. Ici, on a eu le souci. Voilà, ça va exploser. Ok, position un peu spéciale. Eh, hey, tu te détends toi.
Oh, genre le mec il tire à travers les murs. On se calme s'il vous plaît les enfants. Et on se calme. Donc ouais, je vous disais, j'ai un souci avec ma manette en fait, quand je tire, le truc il s'enfonce tout seul, donc c'est un peu chiant. Tire dans la tête. Donc ici, personne s'est à l'étage, il y en a 5. Voilà. Alors désolé si c'est un peu long à tirer, mais j'ai pas le choix. Je crois que c'était de la vie de loin en fait. Il y en reste 4, donc il doit y avoir un en face, sinon c'est là-haut. Voilà, c'est fait, toto, bonne nuit. On va essayer de tuer le petit gun, mais ça m'étonne. Ça tire. Oui, c'est à l'endroit où on était tout à l'heure. On va pas jouer au petit gun, on va jouer. On va jouer à la maîtresse plutôt. Jouer. Bonjour. Putain, ils font peur. Ça, c'est bien fait quand même, les mecs. Putain, la porte elle est ouverte en fait. Et ils ont ouvert la fenêtre. Putain. Oh, ah, oh, comment je l'ai démonté lui. Ouais, il m'a fait peur, les amis. Oh, heureusement, j'ai pas mis ma webcam, sinon vous avez eu peur. Oh, vous avez vu le bon que j'ai fait. Par contre, il n'y en reste plus qu'un. Je peux oublier ce con. Et la prochaine fois, les gars, prévenez quand vous arrivez. Oh, le mur. Quelqu'un? Vu qu'il est pas là, mon il est sorti, il est sur le toit. Ou en bas. Un coup dans la gueule. Ah, elle est magnifique quand même celle-là. Sans bruit. Dodo. Mais ça va, le jeu, pas mal. Pour l'instant, il est pas mal, mais j'ai un souci juste avec ma manette, c'est un peu chiant. Situation suivante, ouais. Je sais pas si c'est l'émission ou un entraînement, je sais pas du tout, on va voir. À mon avis, c'était un test. D'accord, je savais pas comment ça marchait. Merci. J'ai essayé de réparer entre deux ma manette, mais bon. Fait chier en plus, c'est la nouvelle manette que je viens acheter chez Amazon il y a pas longtemps. Donc un peu fait, ça me fait un peu chier. Merde. On va éviter de tirer pour l'instant. Donc les sacs que j'ai posés tout à l'heure, en fait, c'était une bombe. Donc faut que je fasse gaffe en fait. Ah, il y a un chrono en plus. Ah non, il remonte, ok. Non, pas le drone. Non, ça tire. Il reste pas là. En fait, j'avais pas vu que le mec il était sorti. Je pensais directement qu'il fallait poser la bombe. Comment j'ai fait tout à l'heure? Par contre, pour faire exploser, je sais pas du tout ça va être quoi. C'est quoi flèche du bas? C'est le drone, ok. Il y a du monde. On va positionner juste un sac aussi là-bas. Putain, il m'a fait peur l'autre en fait. D'accord, en fait, c'est le même bouton pour faire exploser. Fais gaffe, mec, reste pas là. Oh, toi, je t'avais pas vu là-haut.
C'est bon. Faut que je fasse gaffe, en fait, faut pas qu'il tue l'otage. C'est une douche. Donc c'est un peu bizarre. Bonjour. Allez là, l'otage. Juste faire le tour. Toi, tu restes là, je fais le tour et je reviens. J'ai pas confiance avec eux. En fait, il fait trop de bruit quand il marche. Dans la chambre du petit, il y a personne. Dans la pièce là, il y a personne. Ça descend encore, putain. C'est chiant en fait. Oh, elle est trop grande la maison, je sais pas. C'est toi, j'avais vu dans la cuisine en fait tout à l'heure. En fait, il fait trop bruit quand il marche, donc du coup, ça fait peur. Oui, jure, j'ai pas eu le temps de tirer. Bah, tu me dis qu'il m'a tué. Ah, en fait, je suis mieux à mon avis d'aller chercher directement la dame et me barrer directement parce que j'ai même pas eu le temps de changer d'arme et tout, même de tirer. Ça, c'est pas bon. C'est un échec. C'est pas bien. C'était très bien, 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 bien. C'est pas bien, 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 bien. C'est pas bien. Donc il y a un mec en bas à gauche. Il y a un mec là, il y en a un en principe là. Donc, faut pas oublier. N'y a pas de silencieux en fait sur. Mais non, je me trompe de touche en fait. Et putain. Ils sont déjà là. C'est pas grave, je vais tirer, je vais lancer comme ça va sauter. Ça va les calmer un peu. Histoire de bien tirer. Genre, ils sont pas morts. Wesh. Tu vas te calmer toi là-haut. Il est mort ou il s'est barré? Mais ça fait bien peur en fait. Lui c'est pareil, je sais pas si c'est barré ou. Donc il y en a eu. Il y avait un avec. Non, lui il est mort. Il y en a un avec la femme. Lui on va le camer direct. Bah c'est mieux quand c'est comme ça. D'accord, je vais encore. Genre il meurt pas lui, tu mets des balles dans la jambe, il meurt pas, c'est comme ça. Je fais gaffe un peu mon pote, donc détends-toi. Oh le trou que j'ai fait dans le sol. Jure! Mais jure, le mec il sort d'où lui? Ah ouais, j'aurais dû lâcher la femme et venir directement en fait les tuer les deux. Mais genre, les collègues ils font quoi en fait? Pourquoi il y a des voitures de flics mais il n'y a pas les collègues? C'est pas normal ça. Eh, j'ai un peu du mal. C'est bien fait, c'est bien réaliste en fait. Dès qu'on prend un otage, il y a un autre mec qui arrive, après il y a deux mecs qui t'attendent dehors. De toute façon, maintenant je sais qu'il y a deux mecs dehors, ça je veux pas me laisser faire. J'espère qu'on recommence pas. Oh putain, on recommence tout. Genre, regardez, il y a des voitures, il peut avoir au moins des collègues avec nous, il y a personne. C'est dégueulasse ça par contre. Lui, je vais l'avoir direct lui. Ta gueule toi. Ah c'est ça, recharge. Moi je me casse. Vas-y, tire, tire, tire.
Donc toi ta gueule déjà. Toi ici, connard. Ta gueule aussi. Donc. Lui il fait un câlin à la rampe, c'est pas mal. Merde, je me fais avoir à chaque fois de bouton. Là faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a un avec elle, on l'avait dit. C'est bon. Toi tu viens avec moi. Tu restes là. C'est normal, t'inquiète. Je l'ai ton montage. Et genre, dès que tu lâches, t'as plus personne. En fait, ils savent quand tu l'as, en fait. C'est ça qui m'a fait. J'avoue, c'est un peu mal fait parce qu'ils savent quand tu l'as. Lui d'abord, en principe, il est mort. Je vois plus rien. J'espère qu'il n'y a plus personne. On verra bien s'il y a du monde ou pas. Putain, il reste du monde. Tire toi! Bouge ton cul toi! Il y en a un sur la gauche en principe s'il est pas mort. Ah bah si, il s'est fallu dans l'herbe. Viens mon ami. Merde, j'ai oublié. Moi j'étais en train d'avancer au cam. Hein. Bam, 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 bam. Ça c'est un bon jeu, mais c'est un... le truc qui est un peu dommage, c'est que il n'y a pas d'équipe en fait, donc on est tout seul, c'est un peu chiant. Alors, essayez, continuer. On va continuer, on va faire une autre mission. Cible VIP. Donc lui, hop, il monte sur le toit, ok, on regarde. Oh, ça va être chaud. Ça va être très compliqué, les amis. Je pense qu'on va faire ça en deux épisodes. Parce que la bombe là, ça va être très compliqué à le faire. On va se retrouver pour une autre vidéo. Ok? Parce que ça, c'était la première partie. Mais pour la deuxième partie, ça va être trop compliqué à le faire, je pense. Donc, on va se retrouver rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi, je vous dis à très vite. Et ciao, bye bye. Salut tout le monde!